Ok. Je suis assis, puis je médite, je déconne. Mes deux pieds quittent le sol. Je l'évite, je vole. Dès que je me ferme les yeux et je me lève en les yeux, je me concentre pendant ma méditation. En contrôlant ma respiration, je prends une longue inspiration, suivie d'une longue expiration. Pendant que je suis assis dans mon salon, je suis assis en indien, j'aligne mes chakras. Je finis par atteindre le nirvana. Pendant que j'entends transmystique en lévitant, tandis que je médite, et pour la première fois de ma vie, j'arrive à faire en sorte que mon troisième œil s'active. Toute mon énergie que mes fonds se canalise, puis je me mets à briller comme une substance radioactive. Soudainement, tout d'un coup, tout devient clair. Je me souviens que je suis un être divin, je me suis debout des heures. Je me souviens que je me suis incarné sur terre pour donner un coup de main aux humains, puis pour vivre. Quand la race humaine est en pleine ascension, je suis venu ici plaisir d'atteindre la cinquième dimension. Sauf comme incarnant sur terre, j'ai tout perdu, bon savoir. Toutes les gens qui sont sur terre pour la même raison que moi, se sont tous fait avoir. Car ça fait partie du combat, et toutes les hommes évoluent pour assigner. J'essaie de s'incarner sur une planète comme la Terre dans un long cours. Spirituellement élevé, pour vous la sentir imbonce comme notre monde. Parce que les petits garçons esclaves, puis que l'air est rempli de pollution rigueuse. Car le monde d'où je viens est bien plus beau que celui des humains qui est juste bien gros. Et bon vibratoire faible pour vibrer au même niveau. Le monde d'où je viens, je suis un indigo. Mon aura n'est pas de la même couleur que celle des humains, je tombe. Évolué sur mon aura, pas une teinte plus longue, bleue de couleur. Pas comme les autres humains, on n'est pas du même niveau. Je viens d'un monde où les vibrations sont bien plus hautes. Mon esprit est issu d'une dimension supérieure. En venant ici, j'ai reçu la protection du créateur. Afin d'assister des humains, de se libérer des reptiliens qui maintiennent captifs. Comme à chaque 26 mais là la Terre ascensionne. Parce que moi, c'est la fin du siècle. Tout signe l'indique. Je suis venu aider les humains parce que c'est la fin du siècle. Pour qu'ils ascensionnent. Ouais. En cinquième dimension, les boys.